Michael, à l'arrivée du rallye du Centurion, ça s'est bien passé, tu t'es bien amusé, il a fait chaud. Un petit peu, juste un petit peu. Un bon petit 50 degrés dans la voiture, un beau sauna. Ah, c'est sûr qu'il a fait chaud dans la voiture. Bah écoute, Avesnes-sur-Helpe, on n'avait jamais fait, hein, les Centurions. Pour une première édition pour nous, découverte du rallye. Les itinéraires, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le podium, les itinéraires cachés, ben, c'est assez rare, j'ai jamais fait. Et sauf au Charlemagne en 2018, donc tu vois, ça remonte. Hein. Et ben, ce matin, il a fallu faire un passage à vitesse réelle pour valider les notes. Et ben, dans l'après-midi, on améliore. Donc effectivement, on a perdu du temps ce matin, ben, ça se paye cash, hein, c'est un régional. Mais cet après-midi, on est quand même satisfait. C'est vraiment la note positive, c'est ça, c'est d'avoir pris confiance à ce système de notes qui marche bien, d'avoir validé, et puis on continue comme ça. C'est pas un rallye facile, hein. Comme ça, là où tout est caché, les virages te sautent à la figure assez rapidement. On a suivi quelques petits conseils qui nous ont été donnés aussi au niveau pilotage entre-temps. Puis bah, ça a payé sur la deuxième boucle. Et Betty, t'es contente de ton rallye ? Très contente. T'es du pilote. Ah, le pilote. Oui. Et la copilote, elle a bien dit les notes, elle s'est pas trompée ? Non, j'ai assuré. Non, franchement, Betty, elle a assuré. Il n'y a pas eu une seule erreur. Pas une seule erreur. Si ce matin, c'est un peu... c'est lent, bah c'est moi. Mais non. Betty, aucune erreur. Et il y a un Charlotte Frasse qui fait le singe derrière. Ouais. Ah ouais. On peut remercier les partenaires qu'on mettra à la fin de la vidéo. Une fois de plus, on a Laurent Vergeau qui est venu nous faire un petit coucou. Je ne sais pas s'il est déjà reparti. On l'a vu à l'assistance tout à l'heure. On l'a vu en fin de spéciale. Et sponsor et fan en même temps. Bah ouais, non, mais c'est vraiment top, hein, parce que Laurent Vergeau, Gagne Patrimoine, vient régulièrement nous voir, prend des nouvelles. Il est vraiment investi et il accroche bien le truc. Donc c'est vraiment sympa à chaque fois de le recevoir, discuter un petit peu avec lui, débriefer. Et puis bien entendu, les sponsors, on peut tous les remercier, ils sont tous là sur la voiture. Comme d'habitude, on fera la com sur Facebook. Et on peut vraiment remercier les sponsors. Ouais. Parce que sinon, ça serait, comme je dis toujours, très très difficile. Le prochain rallye ? Alors c'est ce qu'on se disait là dans la voiture. Avant de monter sur le podium, il y a les Vallées Auxonnaises qui arrivent. C'est dans 2 voire 3 semaines, je crois. Bah, il va falloir checker toute la voiture. Il faut voir avec nos emplois du temps perso, le budget forcément. Bon, on va essayer d'y être. Je sais plus, les engagements, ça se clôture bientôt en plus. Si je dis pas de bêtises, donc on va essayer d'y être. Il n'y a que 35 engagés, donc tu peux encore t'engager. D'accord. Ouais, c'est 15-16 juillet. Ouais, on va essayer d'y être. Et si on n'y est pas, ça sera Boulogne, parce que Boulogne, on aime bien. On va essayer de faire pour être sur les deux. Merci à vous et bon retour. Merci Greg. Merci.